Oh, j'aime pas les clichés, ça me dérange. J'aime pas les gens qui me disent « God, t'es d'origine marocaine ?» Tu dis « Ouais », tu dis « Ah, putain, j'adore le couscous !» Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles? C'est comme les journalistes qui me disent « Oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « Non, pourquoi ?» On me dit « Parce que vous parlez normalement. » Tu crois toute ma vie je parlais comme ça, hein? C'était un film, madame, hein? Tu crois que je venais en France, j'ai fait une cure de 10 ans d'intoxication de moi-même ou quoi? Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs qui perdent leur accent, qui renient leurs origines. Ce serait triste, mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait, tu sais. Les mecs, ils doivent prendre un traitement. Et si un jour un mec en pleine réunion, il craque, il a pas pris le traitement, ça fait 30 ans qu'il est en France, il a un poste très important. Il fait une rechute devant 30 personnes. Démasqué, un beau jour, comme ça, il est là en pleine réunion. Il est vrai que j'aimerais voir à la fois subsister deux écoles de cette entreprise, à la fois la stratégie documentalisée sur la plupart. Les comprimés également l'infrastructure reconnue salutaire. Ah, c'est cliché, ça m'énerve. C'est aussi quand les gens, tu sais, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ mette une chanson orientale, tu sais, tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson, voilà. Et ils pensent que ça te fait plaisir, tu sais, ils te disent, allez hop, hé oh, Abdoulaye et compagnie, là, je sais pas quoi, là. Eh, dis donc, hein, les rallyes ralourala, là, je sais pas quoi, là. Hein? Youyou, les Indiens et compagnie, allez hop, hop, hop. Ça m'énerve, ces clichés, on est tous différents, mais je sais pas, moi, ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Qu'est-ce qu'il boit comme eau?